enfin de retour. Après 2 mois d'absence, ça fait du bien de revoir nos forêts. Hein. On a commencé à s'installer tout doucement, quelque part en Wallonie. Et l'endroit est génial. Génial. On est à 3, donc il y a mon fils, Francis, et moi. Et ça s'annonce très très bien. Et c'est parti pour un petit café. Donc on est déjà presque totalement installé. Ça a déjà fière allure. Et avec Francis, là maintenant, on va se faire un petit café. À ceux qui se demandent comment bien avoir les choses à portée de main quand vous êtes à côté de votre hamac, souci résolu. Alors, la planchette, tu m'as dit, c'était en quoi? C'est un produit qui vient de l'aviation. Mais c'est... Moi, et je donc, conseillerais de faire avec une grille en titane de barbecue qui peut faire double emploi. Et donc, un bout de sapin planté dans le sol, la vis qui est dedans, elle s'adapte à tous les diamètres. Et quand vous êtes en dessous de votre hamac, ou même si vous n'avez rien sous la main, ben ça vous fait toujours une petite table pour poser vos affaires dessus. Vachement pratique. Et la hauteur, quoi, ouais, tu peux mettre ce que tu veux quand ça dépend. Tu mets la hauteur que tu veux, oui, tu fais de 30 cm à 1 mètre. Hein. En fait, tu es juste limité par le diamètre du bâton que tu plantes dans le sol. Et alors, ce que j'ai fait, moi, en plus, j'ai fait une petite fente. Tu vois ? Hop, ça, ou la cuillère, ou pour pouvoir accrocher. C'est vrai que c'est une bonne idée. Hein ? Ouais. Ah, c'est génial. Et ici, on a un petit café. Elle est pas belle, la vie ? Mais ça, c'est vrai que c'est bien foutu. Hein. Ah oui, c'est tout con. Félicitations au concepteur. Les photos, c'est après, monsieur. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Il est content. T'es content? Hein? Enfin, il sait pas. Et voilà, c'est parti pour une petite balade en forêt. Pour ceux qui ont le sens de l'observation, le camp est là-bas. Oui, mon doigt est là, voilà, hop, ici. Tu vois, parce que ce qu'on fait, nous, ici, à Détroit, monter le camp à 10h au matin, moi, je ne le fais pas quand je suis seul. Si je vais aller me promener, je vais aller marcher, je vais marcher 5-6 heures, donc j'aurai 6 heures, ça me fera 30 bornes. Et puis, je vais m'arrêter, ben, je vais mettre mon hamac juste pour pouvoir m'asseoir. Ou alors, je vais utiliser le petit passé que ton papa m'a donné. Là. Et puis je vais rester tranquille. Tu vois, je vais rien monter, je vais rien faire. Ouais. Moi, je ne fais pas de feu. À gauche ou à droite? Voilà. Bon, comme quoi. Ah, ouais. Bon. Allez. Tu vois qu'il y a une balade de vélo qui est balisée. Ça, ouais.
Voilà, donc là on s'est déplacé un petit peu et agréable nouvelle, donc nous sommes dans une réserve naturelle, 530 mètres d'altitude. On n'est pas sur les points les plus hauts. Alors là-bas devant, c'est Francie et Marvin qui ont déjà 300 mètres d'avance sur moi, donc je vais me dépêcher. Génial ces forêts. Quel retour. En plus, la météo est avec nous. Il a plu un peu ce matin, mais là, ça va. Ça s'est éclairci. C'est toujours gris, mais il fait très très beau. Enfin, je veux dire beau. Il fait bon. Et il n'y a pas de pluie. C'est fort agréable. Hello. Des arbres qui craquent. Voilà. Et ben voilà, de retour en forêt. Assez sympa, je dois dire là. En plus la météo est avec nous, il y a un super ciel bleu, ça se voit peut-être pas sur l'écran. C'est juste gigantesque en fait comme endroit. Là je viens d'aller faire un petit tour sur le bas. C'est très cool. On va essayer deux ou trois petites choses encore qui sont pas mal. Il y a du nouveau matos et tout. On va tester ça et puis ben, vous faire profiter encore de la vue parce que bon ben voilà, ça fait quand même 2 mois qu'on n'est pas revenu en forêt, donc on va en profiter. On est peut-être parti à la base, c'est 2 jours, essayer de tirer sur 3, on verra bien. Donc voilà, à tout de suite. Petite rando en forêt, essayez de pas tomber. On va essayer de ne pas tomber. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, c'est cool. Aïe, oui. Oh mon Dieu, c'est bizarre, on est dans le bois. Je me demande ce qu'il y a fait. We'll be right back.
Et salut tout le monde, on vient de se réveiller, Francis et moi on est en train de préparer un petit déj, on fait pas de feu. Et donc il y a toujours des gens qui... On sait même pas où est la tête en fait. c'est une momie. Ouais. Il est complètement repris. Ah, ça bouge. Il y a une activité humaine dans ce hamac. Vite, vite, un bâton, ça bouge. C'est ce que je disais là tout de suite. Si on donne un violent coup de canif là-dedans, c'est bon, ça serait, il va se réveiller, non? Petite crêpe bretonne, petite cake au chocolat. Petit café pour moi. Petit café. Bar de céréales maison. On va voir un peu. Attends, je vais les ouvrir. Fait de petites mains. A l'air bien bon. C'est très bon. La petite tente là pour finir, ça a l'air bien utile. Hein, pour mettre le matériel dedans ou quoi. Sympa. Ah, t'avais aussi relevé chez toi. Oui, la... hier, déjà, le tarp. Bien longtemps avant d'aller dormir. Ouais. Il a un beau ciel bleu. Ouais, ça nous change par rapport à hier. Petite séance de marche à pied. Ça a été retiré de la route et ça a été poussé là. Ouais. Sans doute. Et voilà, donc un petit week-end qui se termine tranquillement, avec une belle petite balade. Un temps sec, magnifique, superbe endroit. Petit clin d'œil aux gens du DNF qui sont venus voir effectivement si tout se passait bien. Et ça fait plaisir de voir qu'ils sont présents sur le terrain. D'ailleurs, ça, je vais aller ramasser après, c'est pas à nous, mais bon, voilà. Quoique, je sais même pas si c'est un sac plastique ou quelque chose qui sert... au bûcheron, enfin soit. Mais donc, le DNF est passé nous voir, ça fait toujours plaisir. Lui, il craque depuis hier. Et donc voilà, la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera sur une aire de bivouac à mon avis, parce que le déconfinement complet, c'est pour très bientôt. Et donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit retour en forêt, tranquille, en douceur et en légèreté. Et en clôture sur ces belles images. À très bientôt.